Bien ou quoi les gars, c'est Nation. Présentation de la nouvelle Oslo Ardente du Warstock à 1 100 000. Et voilà. LOL! C'est drôle hein! Plutôt pas mal, avec les mitrailleuses qui tirent ici, excellent. Et avec un peu de jus de carotte, voilà. Bien ou quoi les gars, c'est Nation. C'est parti pour un Gava Gang en mission, l'épisode 3. Et ce sera détournement de coke. Alors pareil, cette mission-là, je l'avais déjà fait avec d'autres Gava, des différents, mais encore une fois, c'était dans la même période du bug de mon micro. Du coup, bah, j'ai dû supprimer la vidéo, voilà. Donc la miniature, ce sera avec les anciens, et bah, le gameplay avec ceux que j'invite maintenant. Donc voilà. Ok, je crois que le gang se forme. Voilà, c'est fait. On est 6, donc ça va être pas mal. On est avec Jinoita, Lukinator, Racine, Matteo et Lusop. Non, Lucop plutôt, je pense. Alors, les gars, vous allez vous reconnaître, hein, ceux qui étaient dans la partie avec moi dans l'ancienne vidéo. Genre, vous allez reconnaître ceux qui étaient avec moi, c'était la partie où il y avait un mec qui s'amusait à détruire les avions. Du coup, ça nous fait perdre la mission. Je sais plus son nom. Ah ouais, Yuyu, il s'appelait Yuyu, je m'en rappelle. Il nous a traumatisé, le mec. Il arrêtait pas de nous faire perdre, donc là, on est que des Gava, du NGTA partout, du coup, je pense qu'il y aura pas de mec qui s'amusera à tout détruire exprès. Alors pour cette mission, je la connais par cœur, il faut aller chercher les avions qui sont remplis de cocaïne à l'aéroport de Trevor, donc qui est bien gardé, il y a plein de gardes. Faudra aussi, une fois qu'on a défoncé tous les gardes, faut prendre les avions. Et il faut traverser pratiquement toute la map, il faut aller dans le sud de la ville, dans les docks. Et là, il faut faire atterrir les avions. Et c'est assez compliqué à les faire atterrir, c'est une piste, c'est même pas une piste en fait. Et bien sûr, il y a des busards ennemis qui nous poursuivent. Donc là, en fait, vous avez des busards à gauche pour les prendre et se défendre. Et là, il y a les avions à voler. Moi, j'aimerais bien descendre. Mais s'il accélère... Ouais, vas-y, je vais sauter. Hop. C'est bon! En haut, les gars, en haut! Ça dégage! Je vais aller prendre un busard tout de suite. Allons-y, les amis! Hop là! Beaucoup plus simple! Non, je vais pas tirer par là, il y a les avions. Hop, tu meurs. Regardez-moi ces petits malandrins, c'est trop simple. Alors là, il y a un avion qui a été pris. C'est bien. C'est qui me tire? Mais là, il y a un bot, là. Il vient de spawn. Voilà, il est mort. Je vais aller taper les busards qui arrivent. Regardez, en fait, il y en a deux qui arrivent derrière et deux de l'autre côté. Donc, attends, là ça va pas marcher. Voilà, là ça marche. Nope. Il a esquivé, nope. Gamin. Nope. Mais vas-y, pourquoi tu saoules comme nope. Ça? What the? T'es sérieux? Oh là là. Ah, ils m'ont mis un de ces. Ta gueule! Oh, je suis choqué. Alors, moi, les missiles ça touche que dalle, mais moi, il m'en lance un, je me le prends en pleine gueule. Je m'y attendais même pas, je pensais même pas y tirer des missiles. Ah, bah regardez, on a perdu. J'ai une deuxième chance. R2, R2, R2. On appelle Handek. Non, pas continuer. Non, mais faut faire R2, les gars. Faut pas faire croix. Ok, on a récupéré tout le monde. Faut pas qu'il y en ait un qui parte. Faut au moins la réussir, quoi. Après, ils peuvent aller où ils veulent. Mais au moins, la gagner, ce serait pas mal. On fait pas de Gava Gang en mission sans avoir gagné la mission. Impossible, ça existe pas. Faut faire, c'est surtout qu'il faut pas lancer de bombe en fait dans le hangar, c'est là où il y a les avions. Regardez, ça spawn. Oh bah alors, tu veux pas? Ah non, c'est un allié. Oh là là, il a pris cher. Attendez, je vais prendre un avion moi aussi. Je vais vous montrer. Ah non, mais je pourrais pas. Ok, il y en a un en busard, il va pouvoir défendre. Mais j'aimerais bien prendre un avion pour vous montrer l'atterrissage comment il est. Je crois qu'il en reste un. Ok, bah ils ont pris tous les avions.
Bah, je vais défendre. Écoute, mais meurs toi. Je vais prendre le dernier busard. Ah là là. Je me veux. Moi c'est mort, je me reprends pas de missile par contre. Racine il est mort, non. Mais ces busards ils sont intuables, c'est quoi ça? Hop là, voilà, là j'en ai eu un. Ah il poursuit l'avion, il va lui tirer dessus. Vite. Allez, meurs. Plus vite, les missiles, plus vite. Il est mort. Est-ce qu'il s'est pris un missile? L'avion, il a l'air de voler tranquille. Le Kinator est mort. Fais gaffe devant toi. C'est qui a l'avion? Jinoita, devant toi. Devant toi, il y a un busard. Attends, peut-être que... C'est qui? Lucop, il a un busard. Il va sûrement l'éclater. Trois, il y a trois busards ennemis. C'est ouf. Ils se font éclater, c'est bon, ils les éclatent. Et reviens, c'est parce qu'il suit le premier avion en tête en fait. Alors dans cette mission là, tu peux éclater. Il y a trois avions, tu peux en éclater deux. Tant qu'il t'en reste un, tu peux gagner la mission. Faut au moins en faire atterrir un. Regardez, tu meurs. Voilà, comme du marshmallow, ça dégage. Alors maintenant, il faut qu'ils réussissent, au moins un des deux réussisse l'atterrissage. Je sais pas s'ils connaissent la mission. Mais déjà, si tu connais la mission, tu pars vers la droite pour préparer ton atterrissage. Là, je vois qu'il va tout droit le premier, donc je pense qu'il connaît pas. Matteo, je pense pas qu'il... Ouais, là, il va tout droit. Il va essayer d'atterrir peut-être, mais il va crever s'il fait ça. Ah, il a vu, c'était pas possible. Il tourne. Il survole, regardez, il survole. il s'est pas crashé. Alors voilà, en fait, où il faut atterrir. C'est un peu n'importe quoi. Vous avez des obstacles partout. C'est une ligne droite, mais en fait, à gauche, à droite et au-dessus, c'est bouché. Regardez, on doit atterrir pile ici. Ici, mais moi, je vais gêner. Hop, il passe en dessous de moi. Bien joué. il a explosé. Attendez, est-ce que lui va réussir? Il va pas s'arrêter, il va s'écraser. Il redécolle. Il faut ralentir encore plus. Matteo, c'était bien tenté, hein, bien joué quand même à toi. Il avait réussi à atterrir en fait, mais il avait trop de vitesse après. En fait, ce qu'il faut, c'est freiner à fond dès le départ. Attention, Jinoita recommence. Il retourne par là-bas, voilà, ça c'est bien. C'est ce qu'il faut faire. Il fait un demi-tour, il a pris large, c'est bien. Cours de pilotage pour cet épisode, les gars. Alors, attention. Est-ce qu'on recommence la mission ou est-ce qu'il réussit? En direct, atterrissage, il s'est posé. Est-ce qu'il va ralentir assez? Il a réussi! Beau gosse mec, bravo à toi. C'est toi qui nous fait gagner la mission. Enfin, tout le monde nous a fait gagner la mission, hein. Tout le monde nous a aidé, mais on va dire que c'est lui qui conclut. Je vais essayer de pas mourir. Voilà. Et voilà. C'est simple comme bon Dieu. Ouh, je suis bientôt niveau 200. Bravo les gars. Bien joué à tout le monde. C'est bon, on va pouvoir passer à une activité en mode libre. On peut aller en mode libre les gars. Bravo à tout le monde, cette vidéo sort mercredi, c'est-à-dire maintenant, aujourd'hui, ce soir. Donc, moi je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo les gars. Salut. Zoulou, maintenant faut plus m'appeler, le décollage est amorcé, je prends un jack sur la lune. Hein mon Zoulou, tu nous boycottes, tu peux abser le top, tu connais la dream team. Tu connais les Zoulou boy boy, on va te mettre sur snap pendant que tu fais la victime. Je connais pas tes références, je connais pas les moins de 16, tu fais le voyou en jean slim. Je vais niquer le score comme Titanic Putin, Biggie Pack, wesh Billy Jim.